Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet, très concentré Darren d'Angleterre. Le match peut commencer. Mes respects, cher Grégoire. Voilà une affiche plutôt sympa. J'espère qu'on va se régaler. L'arbitre donne le coup d'envoi. Le ballon en profondeur. Il peut frapper. Oh, quel bel arrêt! Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il la joue dans la surface. Long ballon dans le sens du jeu. Il part en solo. Digne se projette vers l'avant. Ouverture vers le poteau de corner. Il y a danger. C'est envoyé dans l'axe. Et la tête! C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte? Sur l'aile, il est tout seul, il choisit de centrer, il prend sa chance, but pour la France. Voilà une contre-attaque by the book, comme on dit, une passe pas assez appuyée, il surgit, il va au bout, magnifique. Bien, c'est reparti, ça fait 1-0. Bon, ça c'est fait, maintenant il va falloir garder ce tempo. Joue à gauche. Il est passé. Il écarte le jeu. Centre au second poteau. De la tête. Oh non, sa tête n'est pas cadrée. Quelle passe! Va-t-il en profiter? Il joue dans l'espace! Ça passe dans l'axe! Tolisso qui perd l'équilibre. Digne. Griezmann reçoit le ballon. Une occasion! Oh, Griezmann! Ça peut faire mal! Matuidi. Griezmann! Et c'est sur ce dernier frisson que se termine la première période. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Vu la différence de niveau entre les deux équipes, ils devraient avoir une avance plus large. Je pense qu'ils vont accélérer maintenant pour tuer le match. La France qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance et ça fait toute la différence pour le moment. Et on est déjà reparti. Un petit but d'avance, ils font la course en tête. Griezmann ! C'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile ! Ça c'est de la détermination, il a provoqué cette erreur grâce à son pressing. Bien joué !
On sait de quoi il est capable. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il ressemble beaucoup. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Il joue long sur le côté. Oh, la grosse occasion. Il la tente. Danger repoussé pour le moment. La bonne passe. Ça doit faire but. Attention, la frappe. Tolisso. Il choisit la profondeur. Allez, c'est dangereux. Et pourtant, c'était un caviar au départ. Mais quelle vista là, quelle vision du jeu. Et ce petit ballon piqué en profondeur. La France qui cherche l'étincelle. Matuidi. Griezmann, qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté. Oui, c'est normal. Il est très dangereux dès qu'on lui laisse un peu d'espace. La frappe ! Pas loin, mais ça ne rentre pas. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Et l'entraîneur qui fait rentrer du 109. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur a battu sa deuxième carte. L'écart, il joue sur l'aile. Il est bien monté. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, quel geste. Là, il peut centrer. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Non, c'est bien vrai. C'est joué long, attention. La frappe, attention. Oh, ça aurait dû faire 2-0, ça. Oh là là, c'était chaud. À 2-0, ça aurait été quasi impossible pour eux. C'est le dernier changement, ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus, alors il valait mieux le sortir maintenant, plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement. Quelle fait du bien cette interception. Oh, voici Ben Yedder. Oh, Griezmann. Griezmann qui choisit le côté gauche. C'est bien fait ça. Qui se réveille, ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. Un ballon intéressant. Oh, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. C'est vraiment dommage, il leur manque toujours un petit quelque chose. Dans l'espace. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. L'issue de cette rencontre aura été indécise jusqu'au bout, mais à l'arrivée, c'est une victoire par la plus courte des marges. Vous savez, c'est jamais facile de tenir aussi longtemps son